L'approche du prince Charles pour emprunter un chemin différent de celui de Harry pour défendre Meghan Markle fait écho aux propos du duc de Sussex sur sa relation avec son frère, le prince William. Harry est actuellement en quarantaine au Royaume-Uni après son arrivée à Londres au cours de la semaine. Il est revenu pour accompagner William lors du dévoilement d'une statue de leur défunte mère, la princesse Diana, dans l'enceinte du palais de Kensington la semaine prochaine. Les observateurs royaux du monde entier attendent avec impatience l'événement étant donné les circonstances actuelles entourant Harry et le reste de la famille royale. Alors que le duc de Sussex n'a visité que récemment la Grande-Bretagne en avril pour assister aux funérailles du prince Philippe, il est depuis apparu dans des interviews télévisées dénonçant The Firm. Le mauvais sang provient de Menxit et de sa chute épique et de celle de Meghan Markle de la vie royale l'année dernière. L'un des principaux indicateurs que quelque chose n'allait pas est venu lorsqu'Harry a parlé dans un documentaire d'ITV lors de sa tournée et de celle de Meghan en Afrique australe. Point. Ici, Harry a abordé certains rapports dans les médias selon lesquels lui et William ne s'entendaient pas et a déclaré « Nous sommes frères, nous serons toujours frères. Nous sommes certainement sur des chemins différents en ce moment, mais je serai toujours là pour lui car je sais qu'il sera toujours là pour moi. » Ses paroles semblaient être similaires au chemin différent que son père Charles a emprunté pour s'adresser aux médias et à l'attention du public que Meghan a reçu à la veille et au lendemain de son mariage royal avec Harry. Les différences dans la gestion du traitement de Meghan ont été explorées dans le documentaire de Channel 5, William et Harry, Prince à Tour. Le narrateur de l'émission a noté, la famille royale a peut-être rassuré Meghan dans les coulisses, mais c'est leur pratique courante de ne pas se plaindre en public du traitement de la presse.